chers amis de l'Aube, je vous souhaite un très joyeux Noël, et tout particulièrement cette année. C'est ma première année comme évêque de Troyes, et je viens vous dire ma joie de célébrer avec vous ce grand mystère, qui est un mystère à la fois très grand et très simple, puisque c'est Dieu qui vient jusqu'à nous et qui vient dans ce qui est le plus fragile, le plus vulnérable, qui vient pour nous conduire jusqu'à lui, pour nous combler de son amour. Donc je viens vous souhaiter un très joyeux Noël. Au jour de Noël, ou quelques jours plus tard, les mages sont venus de loin, de l'Orient, ils ont marché, et quand ils ont vu, après avoir traversé un moment d'inquiétude et d'obscurité, l'étoile réapparaître et qui leur a permis d'aller jusqu'à Bethléem, ils ont été pris d'une très grande joie. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite à chacun, d'être pris d'une très grande joie. On a besoin d'une joie, pas une joie superficielle ou rapide, mais une joie profonde qui touche le cœur, qui nous inonde au plus profond de nous-mêmes et qui, dans les moments parfois d'incertitude, de questions, des moments peut-être de douleur, des moments d'épreuve ou des crises que nous pouvons rencontrer, une joie qui soit plus forte, plus profonde, et une joie forte et profonde, elle ne peut venir que de Dieu. Donc à chacun d'entre vous, chers amis, je vous souhaite une très grande joie et de garder cette joie pour que toute l'année qui s'ouvre soit marquée par cette joie.